diagnostic électronique ou OBD nous permet de communiquer avec le calculateur moteur dans le but de ressortir toutes les anomalies liées au système électronique, électrique et mécanique du véhicule. Installez-vous et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les techniques d'interprétation des codes de défaut ou erreurs pour les véhicules poids lourds, autrement appelés camions. Dans quel sens l'appareil de diagnostic nous ressort les pannes mécaniques? Vous devrez savoir que certaines pièces mécaniques défectueuses enclenchent l'apparition des codes erreurs ou encore codes défauts au sein du calculateur moteur. Prenons un exemple d'un culbuteur qui venait à se casser. L'apparition d'un code défaut signalant le non-fonctionnement d'une chambre sera enregistrée dans le calculateur moteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines pièces mécaniques enclenchent l'apparition des codes défauts. Comment interpréter un code de diagnostic pour les véhicules poids lourds? Premièrement, vous devriez parcourir les codes défauts et ne noter que ceux qui sont actifs, enregistrés, permanents ou encore en cours de traitement, et ne pas noter ceux qui sont passifs ou historiques. Après cela, rendez-vous dans le site strongmanual.net. Dans ce site, vous retrouverez les différentes marques de véhicules poids lourds. Comme exemple, nous avons choisi la marque Iveco. Ici sont représentés tous les codes défauts liés au camion de marque Iveco. Recherchez juste le code erreur que votre machine de diagnostic vous a montré et vous aurez son interprétation. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.